besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. C'est un ex-menteur qui vous parle. Alléluia. Il n'y a pas la paix dans l'affaire là. Mieux tu ne dis rien que de mentir. Quand vous mentez, vous êtes possédé. Je parle ici aux gens. Quand vous commencez à mentir, c'est une possession. Et c'est difficile, ce que nous demandons aux gens. C'est pour ça que le pasteur a parlé de délivrance. Le mensonge, c'est la plus dangereuse des possessions. Parce que tout malheur commence par le mensonge. Le mensonge vient couvrir autre chose qui se passe. Quand on veut vous agresser, il y a quelqu'un qui vient vous détourner l'attention en vous mentant. Alléluia. Maintenant, l'homme est combien? L'esprit qui appartient à Dieu, le corps et l'âme. Vous, c'est qui? Vous, c'est qui? C'est le corps. Quand vous mourrez, on dit que c'est qui est couché? C'est votre corps, ce n'est pas vous. Hein? Et attention, les gens qui pensent que les choses sont bizarres, quand vous lisez la parabole de l'homme riche, la Bible dit que quand ils sont morts, ils se souvenaient encore. Ah. Donc ça là, ce n'est pas vous. Attendez le jour que vous allez mourir, vous allez voir. C'est pas le genre. Quand vous allez mourir, vous allez voir que ça n'est pas vous. Mais ce sera tard pour revenir. Ça n'est pas vous. Quand vous êtes couché, si moi je meurs aujourd'hui, on va dire voilà le corps de. Ce n'est pas moi. La levée de son corps. Je ne suis plus là. Maintenant, on te dit, on place le fruit ici. Tu viens, tu marches. Quand tu marches là, vous trois, tu es trois, tu viens, tu prends. On dit qui a pris. Tu dis ce n'est pas moi. Il faut très bien comprendre. À ce moment, la possession vient de te prendre. Pourquoi? Tu prends. Qui a pris? Ce n'est pas moi. Tu affirmes que c'est ton corps, mais ce n'est pas toi. Il y a une séparation qui vient de se faire. Ah. Je pose ça. Et viens, je te le prends. C'est toi qui as pris? Non, ce n'est pas moi. Ok, la parole que tu dis là, elle est vraie. Oh. Ce n'est pas toi, non. Mais c'est quand même le corps qui a pris. Donc, ce n'est pas toi qui es dans le corps qui a pris, c'est qui? Faites très attention. Vous prenez ça comme les amusements. Les petits menteurs là. C'est pour ça que quand tu mens, c'est pour ça que quand Ananias arrive devant Pierre, ce n'était pas lui que Dieu a frappé. Vous voyez? Donc quand il dit que c'est ça, ce n'est pas lui qui disait, c'était déjà Satan. Au point où Jésus a dit à Pierre, un apôtre, arrière, Satan. Je parle ici aux gens. Donc quand vous mentez là, c'est quand vous commencez le mensonge que la possession se passe. Un ancien menteur est rarement béni. Rarement. Rarement béni. C'est pour ça que quand vous venez en Jésus et que vous êtes restauré, vos richesses partent parce que ce n'était pas pour vous. C'est dur, hein? C'est très difficile. On dit que Satan est le père du mensonge. Or, ce mensonge est en vous. Ce n'est pas vous. Donc, quand vous commencez à mentir, vous enlevez votre âme. C'est fini. L'âme et le corps, il y a séparation. Parce que tu prends un fruit, on te dit que c'est toi qui as pris. Tu dis non. Mais tu as ça. Si j'ai ça dans ma poche, ce n'est pas moi. D'autres même, en regardant, tu vois ça. Il dit que ce n'est pas moi. Tu vois. Posez-vous la question, est-ce qu'il a raison ou tort? Attention. C'est pour ça que quand on te dit que c'est toi qui as pris, tu dis non. Fais très attention si on ne te dit pas. Parce que
Tu viens de dire que ce n'est pas toi, on accepte que ce n'est pas toi. C'est alors qui? Quand tu parles, on a entériné. C'est pour ça que les menteurs, c'est la possession. Il est ici, il est là-bas. C'est pour ça que quelqu'un peut dire qu'il est à la peau centrale, mais il dit qu'il est à Ngaoundéré. Vous voyez, son âme doit être localisée en Ngaoundéré et son corps est à Yaoundé. C'est pour ça qu'il peut avoir accident. Je parle ici aux gens. Donc, faisons attention aux mensonges. Mieux tu dis, on te tue. Et il y a des péchés que vous allez délivrer quelqu'un, ça ne marche pas. Parce qu'il est dans le mensonge. Vous ne pouvez pas le toucher. J'ai pris une décision, je ne reçois plus les jeunes de moins de 21 ans. Pendant un temps, je reçois seulement les mamans. Parce que vous les jeunes, vous mentez trop. Et vous nous créez les problèmes. Tu viens me voir pour un problème, poser ton problème. Quand tu viens là, tu crois que tu viens faire... Tu viens m'impressionner. Tu es petit comme ça. Si on te dit qui je suis. Donc toi qui es assis là, tu n'es rien. Excusez-moi de vous parler comme ça. Parce qu'il y a beaucoup là, quand il vient, il a lu un roman et il vient te parler avec le roman. Est-ce que c'est ma pitié que tu cherches? Tu cherches même quoi? Moi. Donc, par conséquent, dès que la personne se lève, Dieu te dit, menteur. Et vous tournez en rond, on délivre chaque jour. Pourquoi est-ce qu'on vous délivre chaque jour? Parce que ce n'est pas vous qu'on délivre. On ne délivre pas Satan. On ne sait pas ça. C'est pas comment. On ne délivre pas Satan de Satan. Puisque quand vous mentez, vous êtes fils. Donc, la même nature que Satan. Tu viens me voir. Tout ce que tu dis que tu fais là, si je n'ai pas fait ça, je sais que l'être humain peut faire ça. Je ne peux pas te condamner, j'ai été comme toi. C'est pour ça que les plus grands serviteurs de Dieu ont d'abord été des bons bandits parfois. Et c'est là où je dis toujours que le ministère où Dieu t'envoie, c'est là où on t'a délivré. Pour que quand tu vas avoir ce genre de problème, tu ne sois pas scandalisé. Tu sais que moi, je fais quoi? Tu viens là, tu m'arranges ton problème et tu m'énerves parce que tu me donnes le travail. Dis-moi, ce n'est même pas à moi. Dieu a voulu ainsi. Celui qui se confesse, qui reconnaît ses péchés, se confesse, obtient miséricorde. Tu es venu pour obtenir quoi? La miséricorde. Mais tu viens, tu mens. C'est où? C'est écrit où? C'est écrit où? Que celui qui ment, tu cherches quoi? C'est le diable. Donc quand tu viens là, moi je vois le diable. C'est pour ça que vous allez remarquer que ceux qui me connaissent, quand tu connais, pour savoir que tu mens, c'est quand je commence à manipuler le téléphone. J'ai déjà fait ça. Si tu entres dans mon bureau et tu fais ça, tu sais que tu mentais. Puisque moi je vois, quand tu mens, ça se voit. Un homme qui ment, regarde les yeux. Les yeux, c'est le miroir de l'âme. Il commence à manipuler le téléphone. Il dit, ok, cherche à me voir la semaine prochaine. Ou bien passe par un passé. C'est fini, tu mens. Parce qu'on perd du temps. On perd le temps. Tu es venu faire quoi? Tu vois, c'est le diable qui est venu tenter. Tu es venu faire quoi? Donc tu quittes de chez toi un samedi ou après un culte au lieu de rentrer. Tu prends le temps pour venir manger. Pourquoi tu manques même? Tu veux m'impressionner? Non. Tu n'as rien pour m'impressionner. Rien. Tu veux même posséder. Ça ne peut pas m'impressionner. Désolé. Désolé. C'est quand tu seras délivré que tu peux m'attirer. Mais là, 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 il y a le diable. Puisque tu viens avoir un problème, il faut qu'on enlève. Qui épouse les problèmes ici? Faisons attention. Donc les jeunes là, 20 ans, les pasteurs sont là. Moi maintenant, je cherche les gros porteurs. Au moins quand une maman te fait t'asseoir, elle ne te perd pas le temps. Quand elle vient même là, elle sait que non, je suis fatigué après un culte. Ils n'ont même pas pitié. Quand un culte est fini, je dois aussi me reposer. Ils viennent encore te mentir. Et la nuit, on commence à courir derrière toi. Quelqu'un un jour lors de la délivrance me demande dans une vision, tu la délivres pourquoi? J'ai dit, mais c'est un serviteur de Dieu. Il m'a dit non, c'est moi qu'il sait. Pourquoi? Parce qu'elle ment de A à Z. Arrêtez ça. Le mensonge est dangereux. C'est pour ça que tu peux passer en route, tu vois quelqu'un nu. Les visions, je vous dis qu'il y a les visions. Des fois quelqu'un marche
Comme ça, tu le vois nu. Des fois, quelqu'un marche, il a les livres au pied. L'autre, les cahiers. L'autre, c'est les accusations. Donc, pendant qu'il marche, tu vois les gens derrière en train de l'accuser. Le mensonge. Et il y a un phénomène. Les gens pensent que quand ils sont chez eux, ils peuvent dire n'importe quoi, peut-être des serviteurs. Écoutez bien, quand nous prions pour les gens, peut-être il y a les gens aussi comme ça. Dès que commence à prier pour toi, tout ce que tu fais, il dit. Je t'entends en train de dire Aka, c'est j'entends. Et quand il revient la nuit, tu me dis Daddy, tu vois, souvent parfois je dis je vais t'appeler, je ne t'appelle pas. Ça veut dire que je suis un homme. Je ne vois pas comment quelqu'un te dit Aka, c'est un salope. Aka, Aka, tu pries pour la paix. Il faut quand même 10 minutes. Parfois tu veux prier, vous, ça sort. Tu veux prier, vous, ça sort. Attention. Vous savez, on sort des endroits où c'était les levées debout assis. Tchac, 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 bim, tu te lèves. Tchac, 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 bim, tu t'assieds. Dieu, je ne sais pas s'il est là-bas ou pas. Mais ici, le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit révèle. Quand on commence à intercéder pour quelqu'un, Dieu donne le fardeau à la personne qui intercède. Et la personne commence à voir beaucoup de choses te concernant. Donc arrêtez. Vous venez rencontrer un serviteur, ne le méprisez plus. Ce qui va encore le mépriser, si le serviteur de Dieu a rencontré 4 personnes et qu'il a prié pour 4 personnes, les péchés des 4 là, tu risques de partir avec. Arrêtez ça. Ne venez plus vous amuser ici avec les serviteurs de Dieu. Quand vous venez avec votre problème, venez avec, vous dites la vérité, on prie pour vous ça. Parce que vous les mettez en danger. Vous les mettez en danger. C'est pour ça que les intercesseurs sont attaqués. Vous ne savez pas pourquoi. Tu vas dire là que, oh Seigneur, priez pour la sœur telle ou le frère tel qui est dans telle famille. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on l'attaque, et tout. Alors qu'elle sort d'un violent avortement. Alors qu'elle sort d'un violent vol. Toi, tu es aussi la rabakata, ça. Je verse le sang de Jésus. Jésus te dit que mon sang, ouf. Toi, tu viens où? Et la Bible dit que le sang des enfants, par exemple, qu'on a avorté là, ils sont où? Ils sont quelque part, ils crient vengeance. Donc, quand tu as ce genre de problème, dis pour qu'on intercède, on demande miséricorde. Parce qu'on est en train de demander vengeance pour toi. Il y a que je n'accouche pas. C'est parce que ma belle, ta belle mère, quoi, tu as avorté. Dis-nous ça. On règle 5 minutes. Mais tu veux nous faire contourner parce qu'il faut qu'on voit que tu es vierge. Tu es vierge où? Tu as su que tu n'accouches pas comment? Tu as su que tu n'accouches pas comment? C'est pour ça qu'il a dit que le menteur est même idiot. Tu as su que tu n'accouches pas comment? Tu veux donc me tromper que tu es vierge comment? Arrêtez ça. Parce que quand vous serez exposé, ça va faire pim. Arrêtez ça. Venez avec vos fardeaux, tout. Posé au pied de l'autel, Dieu enlève. Quand vous venez encore avec vos trucs, tu as fait, tu n'as pas. Quand tu oublies, c'est autre chose. Oublier, c'est autre chose. Et généralement, quand vous finissez, le Saint-Esprit peut ramener quelque chose. Vous revenez, revenez. J'ai oublié ça. Par contre, t'appuie qu'il y a ceci, tu n'as pas dit, tu ne veux pas dire. Et puis tu nous emmerdes chaque jour parce qu'on jeûne. Nous ici, on a failli mourir de jeûne. On avait les gens ici, quand ils viennent avec les problèmes, j'ai dit au pasteur, les gars, on prend le jeûne jusqu'à ce que le problème de la sœur se résout. 30 jours passent, rien. J'ai dit aux gars, on part, on est les serviteurs. 40 jours, rien. J'ai commencé déjà à perdre l'équilibre. Les pasteurs, on devait se réunir ici à 19h. Je passe à 18h là-bas en haut. Quand je vois la sœur, comment? C'est pour toi qu'on est en train de jeûner. Elle est dans un chapalo qui n'a pas le nom. Demandez-leur quand je suis arrivé ici. J'ai dit, sortez des jeunes. On a acheté le poisson braisé là-bas. On a mangé. Et je crois que la sœur ne vit pas aujourd'hui. Ne venez pas vous amuser avec les serviteurs d'autrui. Les serviteurs d'autrui. Ce n'est pas les vôtres. Donc, venez, dites la vérité, on passe dessus. Il y a des gens ici, on a prié pour eux dimanche.
Qu'est-ce qu'on a dit dimanche la semaine surpassée? Il fallait que chacun enlève tout le levain, non? C'était quoi? Toute la haine, la rancune, non? N'est-ce pas? Tendez seulement les oreilles. Les gens sont partis ici, jusqu'à présent, ils sont malades. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ils sont malades. D'autres, c'est la tête, c'est comme si on tape avec le marteau. Dadi, depuis dimanche, mes yeux veulent sortir. Dadi, depuis dimanche, ma tête. Je dis que si tu viens même encore, ça sera pire. On vous dit pardonner avant de venir. Vous venez avant de pardonner. Inversez la Bible. Vous allez payer. On est arrivé à l'heure au Cameroun où le réveil est en train de venir. Et pour que la crainte de Dieu entre dans l'église, il y aura les morts. Vous allez voir, ça ne doit pas être toi, parce que ça va arriver. Ou quelqu'un va faire une petite erreur comme ça, bim! Là, les gens vont faire, hey, vous servez Dieu. Parce qu'on est des petits blagueurs. On dit n'importe quoi. On prend n'importe qui. Maintenant même, si le président de la République, tu parles mal, on t'arrête. On t'enferme. Combien de fois le serviteur d'autrui? Beaucoup se sont maudits depuis. Ils sont là, il n'y a rien à cause de ça. Ils ne veulent pas se repentir. Attention. Arrêtez le mensonge. Amen. Dis, tu es où? À la poste centrale. Mais dis que tu es à la poste centrale. Tu dis que tu es en quoi? Ben pourquoi? Hein? Dis. Même si Dieu, pour entrer dans ton problème, a besoin de la vérité, parce que sa parole est vérité. Pas ce maître ici, je suis guéri. Pas ce maître ici, je suis guéri. Qu'est-ce qui t'a créé la maladie là? Hein? Qu'est-ce qui t'a créé ça? Alléluia. Tu as les myomes, les fibromes. Qu'est-ce qui t'a créé ça? Tu commences à dire, mais pas ce maître ici. Les maîtres ici de qui? De Jésus. De Jésus. Arrête de mentir. Ce que tu vas dire est la vérité. Parce que nos bouches, on ne comprend. On vous dit dans la Bible que une même fontaine ne peut pas à la fois donner l'eau amère et l'eau sucrée. Vous ne comprenez pas. Tu viens de mentir tout à l'heure, ça fait 10 minutes. Et c'est toi qui dis au démon au nom de Jésus. Pas. Mais tu te moques de qui? Quand il va partir avec toi, tu vas te plaindre. C'est pour ça que les chasseurs de démons sont souvent les plus malades dans les assemblées. Les chasseurs de démons là. Et après ils ont peur des démons. On dit que les démons sont faux. Ils sont faux roux. On s'en donne le pouvoir. Mais la bouche que tu viens, c'est avec la bouche qu'on fait toutes choses. Vrai ou faux? J'écarte les montagnes. Je sanctifie. Je renverse. Je balaie. D'autres disent, mais je balaie. D'autres disent, je nettoie ma vie. Oui. Mais tu nettoies avec quoi? Le sang. Tu viens de mentir là-dehors. La bouche qui vient de produire quelque chose qui est amer, tu vas encore produire quelque chose qui est sucré. Comment? Et quand tu te lèves, tu pries, tu fais les genoux, tu dis, yes, si j'ai prié. Tu n'as rien fait. Tu t'es même maudit parce que la Bible dit, la prière du pécheur est une abomination. Il faut qu'on vous le dise. C'est important. Dans les petits mensonges, là, donne-moi 100 francs. Je n'ai pas. C'est bon, non? Si j'ai, mais je vais utiliser. C'est tout. Tu es où? Je suis en quoi, ben? Tu es où? Je suis à l'église. D'autres disent que c'est la sagesse. Tu étais où? J'étais me balader alors que tu étais à l'église. Parce que tu crois que parce que tu dis ça, c'était l'église. Il y a un phénomène ici, mercredi. On a prié pour une jeune fille ici, là. Le travail a commencé. Qui était là? Gloire. On l'a amené. Bon, j'ai eu ma part là. Dieu m'a sanctionné quelque part en route là. Parce qu'il m'a dit, tu n'abandonnes pas mon culte pour aller dans tes choses. Parce qu'il partait quelque part. Oh. Mais les gens sont passés, j'étais encore là. Hein. Je ne suis plus parti. Je suis parti tard, les 22h. Alors les mamans rentrent et me disent que, homme de Dieu, c'était grave là-bas. Le travail s'est arrêté. J'ai dit, mais est-ce que Dieu me manque? Bon, elles ont fini de parler, mais elles m'ont donné un détail. Elles ont appelé la maman de la fille. La maman a dit que vous avez commencé avec vos églises, finissez avec vos églises.
Dieu ne supporte pas le blasphème. Dès que le travail se passait, il fallait qu'elle accouche. Dès qu'on a appelé, Dieu a entendu. Paf! Le travail s'est arrêté. Et faites attention avec ce qui va arriver. Pour vous dire que ce n'est pas les amusements. Là, on est là. C'est Dieu. Je comprends. On est souvent dans les assemblées où on vend l'eau, on vend, chacun pense qu'il peut même acheter le pasteur. On n'achète pas le pasteur ici. Je parle aux gens. C'est Dieu. Faisons attention. Ce qui sort de nos bouches. Protégeons même nos familles. Elle a lancé, hein? Kaka. Hein? Mais sinon, c'était ça, non? Hein, maman? Mm-hmm. Que vous avez commencé avec vos églises, finissez avec vos églises. Dieu a donc dit que, ok, il a enlevé la main. Paf, le travail s'est arrêté. Hein? Et elle a débordé. Ça a commencé parce qu'elle devait accoucher depuis. C'est depuis un mois, non? Ça a débordé. Maintenant, Dieu veut donc faire le travail. Comme les gens connaissent seulement le bœuf. Ils ont parlé. Maintenant, c'est que qu'ils fassent alors. Donc, la majorité de nos problèmes, c'est ça. Ça bouche. Hein? Vous savez, quand un crocodile veut monter l'échelle, non? Son problème n'est pas la force, il est fort. Son problème n'est pas le truc. Même si c'est sa bouche. Parce que quand il veut grimper, il va mettre sa bouche où? Tu vois, quand il met sa bouche entre deux marches, c'est ça qui cale, qui empêche qu'il monte. Et c'est pour ça que les menteurs ont l'esprit du crocodile. Tu vois, c'est quand le crocodile ouvre la bouche, non? C'est long. Donc, arrêtons le mensonge. Et pour finir, tu as dit quelque chose d'important. Vous pensez qu'on est délivré du mensonge? Commencez à dire la vérité, violemment. Appelle même ton ami, tu dis que je suis dans ma chambre. Appelle. C'est la vérité que tu dis, ça va combler le trou. On a dit que les crevasses du mensonge seront comblées par la grêle. Parce que quand vous mentez, vous créez des trous dans vos vies. Il faut combler. Donc, arrivé chez toi, tu prends le téléphone. Tu appelles même un... qui? Je suis à la maison. Pourquoi tu me dis ça? Non, frère, laisse. Parce que tu n'avais pas l'habitude de dire ça. Tu dis, j'entre à la maison. Je voulais seulement te dire, te bénis, sois béni. Je voulais te souhaiter une bonne nuit et t'informer que je suis sur mon lit. Je parle aux gens. Le lendemain, tu dis, je t'appelle pour te dire que je suis à la poste centrale. Parce que toi-même, tu connais. Parce que beaucoup de gens pensent que mentir, ce n'est pas dire, je vais dire ce qui est juste. C'est faux. C'est un esprit. Pourquoi? 2 plus 2, c'est combien? C'est 4, non? Maintenant, un enfant dit 2 plus 2, c'est 3. C'est faux, non? Il a dit, c'est le faux que tu dis. Lui, il a dit, il n'y a pas, il ne veut pas tromper, il ne connaît pas. Mais il y a quelqu'un qui va venir faire la même chose avec l'esprit derrière de tromper. Donc, le mensonge, c'est un esprit. Pour le chasser, commence à dire la vérité, qui est aussi un autre esprit. Ma parole est vérité. La vérité est esprit. Donc, tu appelles telle sœur avec qui tu mentais trop. Tu lui dis que je suis à la maison. Pourquoi tu dis ça? Non, je voulais seulement te dire. Voilà un peu d'eau qui est venue. Le lendemain matin, j'appelle Latré, par exemple. Je dis que Latré, je suis en train de courir. Et tu es court. Couro, c'est la vérité que tu dis. Au bout d'un mois, tu vas voir la vérité dans ta vie. Tu as compris? Voilà comment tu seras délivré du mensonge. Et quand le mensonge est parti, parce que le mensonge couvre beaucoup d'autres péchés, ils seront exposés et on peut te délivrer. Beaucoup ne seront pas délivrés ici à cause du mensonge. Le mensonge couvre, c'est une couverture. Quand vous mentez, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous voulez cacher. Et spirituellement, le mensonge couvre les autres. On ne peut pas te délivrer, je ne sais pas moi, d'une maladie alors qu'on ne connaît pas la cause que tu connais. Tu connais, mais tu mens. Dieu ne peut pas te délivrer. Voilà pourquoi il veut que tu confesse, celui qui confesse, parce que confesser veut dire enlever le mensonge. Non, tu arrives là, tu te places là, tu te dis VIH, il te dit, tu as quoi? VIH. Les gens vont commencer à écrire sur les pancartes. Quand tu arrives, hein, il dit, bon, VIH. Il dit quoi? VIH. Et là, j'amène mon oreille, VIH.
Tu as honte du VIH, non? Qui t'a envoyé? Et quand tu es comme ça, il dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Quand on est ici, c'est gâté, c'est gâté. Connaissez gâté avec Satan, gâté avec Satan. Mais on le protège. On gâte avec les serviteurs. On insulte les serviteurs. On gâte avec Dieu. Mais Satan, on le couvre. Le péché, c'est... non, il ne faut pas que je dise ça. Alors que c'est à Dieu que tu dois dire comme ça. Il ne faut pas que je... Donc, vous inversez, vous couvrez Satan. Beaucoup protègent Satan ici. Oui, il protège. Mais Dieu, là, il croit même que quoi? Ma chère, attention. Ce que vous faites en secret là, c'est ça qui se révèle physiquement. Quittez, venez tout droit. Aimez Dieu. Beaucoup ici n'aiment pas Dieu. Hein? Beaucoup, c'est les intérêts. Ils sont en relation avec Dieu. Mais c'est les intérêts. Alléluia. C'est comme dans un mariage. Il y a les mariages d'amour et les mariages d'intérêt. Mais ils sont ensemble. Mariage d'amour, c'est l'amour de Dieu. Mais les mariages d'intérêt, vous connaissez, non? Quand il farote, c'est bon. Dès qu'il ne farote plus, tu vas ailleurs. C'est pour ça que tu es là à l'église, c'est bon. Mais quand tu sens que c'est mauvais, tu vas ailleurs. Aimez Dieu. Qui vous dit que quand on aime Dieu, on ne travaille pas? Quand tu aimes une femme, tu ne travailles plus. Tu peux au travail, non? Hein? Vous venez, vous faites tout pour qu'on blasphème l'église. Quand vous aimez une femme, est-ce que vous pouvez permettre qu'on blasphème, on l'insulte? Même quand elle ne connaît pas préparer, vous faites quoi? Parlez. Hein? Quand vous n'aimez pas une femme et qu'elle ne connaît pas préparer, vous faites comment? Vous la couvrez, non? Pour que la belle famille ne parle pas, non? De la même façon à l'église, quand vous venez ici, vos familles blasphèment à cause de ce que vous faites pour l'église. Je parle aux gens. Quand ton église est là, hein, on n'insulte pas ton église. C'est toi. C'est au travers de toi qu'on insulte l'église. Parce que si tu aimais l'église, Dieu, comme tu, on aime une femme. Moi, j'ai vu un jour, une femme a préparé le mbongo. C'était naze. Son mari l'aimait. Il a vu que si sa mère goûte, la femme là va partir. On a servi à table. Il a pris lui-même le sel. Il a vite servi son repas. Après, il mange, il dit, waouh, chérie, c'est bon, hein. C'est bon, hein, la belle-mère. Quand les gens veulent se servir, ils disent, non, attendez, mais chérie, il manque un peu de sel. Oh, il ne manquait pas le sel. Le gars a pris le sel, il a mis tchoup, 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 tchoup. Après, il a tourné. Quand les gens mangent, ils disent que la nourriture est mauvaise, hein, mauvaise, hein. Comment tu peux avoir gâté la nourriture de ta femme? Vous voyez comment il a pris sur lui. Est-ce que les gens m'ont compris? Alléluia. Vous voyez? Il n'a pas demandé à sa femme de repréparer, non. Mais il a pris sur lui. Qu'on dise que c'est lui qui a gâté. Et ainsi, il a protégé celle qu'elle aimait. Votre église tombe. Votre église, on, c'est vous qui devez réparer. On a déjà dit à quelqu'un ici, à qui ici là, que son église est bonne, mais c'est lui qui est mauvais. Qui? Mais on vous dit chaque jour que votre église est mauvaise. Attention. Ainsi parle le Seigneur. Attention. Ça dit que on n'aime pas Dieu. On est là pour des intérêts. Et dès qu'on obtient ça, on attend. Dès que c'est fini, on vient. Dieu m'a dit de te dire quelque chose. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Pas nous tous. Parmi nous tous, là, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas Dieu. C'est ceux qui aiment que quoi qu'il fasse, Dieu arrange. C'est pour ça qu'il y a des gens comme ça, tu as l'impression que lui ne rate rien. Il aime Dieu. Mais nous qui sommes là pour les intérêts, tu vas prier pour avoir ta chose. Dieu va aussi faire. Mais il y a des gens qui ne demandent pas, ils ont. Il y a des gens qui ne prient même pas, mais Dieu vient. Parce que c'est une relation d'amour. Quand vous aimez une femme, c'est vous qui voyez ses besoins. Ce n'est pas elle qui vous demande. Quand elle demande même, vous voulez vite faire. Vous vous moquez même. Quand quelqu'un veut parler comme ça, tu l'interromps. Tu l'interromps, tu dis que j'ai compris. Tu ne sors pas sans donner. Mais l'autre que c'est l'intérêt, tu lui poses la question que toi-même là, tu ne travailles pas aussi. Hein? Nous deux on travaille, non? Alors, tu sais. Alléluia. Aimez Dieu. Aimez Dieu.
Bien-aimé, c'est scellé dans le sang.